beurre là. Ça. T'as les pruneaux, t'as le lait, ça. Il te faut les œufs, je crois. Ça. Et 4 œufs. Oh, pardon. Il faut quoi, la farine? La farine, le sucre. Le rhum. Al culo. Et le sel, je pense, non. Non, attends. Ouais. Bah, si ils disent goûter les pruneaux. Oui, si tu les mets au, comme je t'ai dit, à fuser. Non, mais faut déjà faire chauffer le four. Déjà, tu vas chauffer. Hein. Ah bah oui, mais attends, on va t'attendre le ventilo parce que attends, tu vas chauffer. Là, mais... Parce que là, si il y a le four, donc le ventilo. Tu vas chauffer la vieille. Oui, non, mais là, c'est surtout le ventilo. Non, mais ça va pas toucher le ventilo. Si, ça va faire chaud là. Mais non. Quand je vais ouvrir, oui, mais là, là ça risque rien. Je te rends, comment je vais brancher la barre? Non, laisse-le là. Non, c'est bon. Enfin, comme tu veux, je peux. Mais il est déjà branché là-bas, non? Mais non, il est branché là. Non, après, c'est pas... c'est fait que... Voilà, je le branche là et je le mets là à la porte. Oui, alors bien. Ah, puis non, je suis bien comme ça. Bonsoir à toutes et à toutes, comment allez View? Nouvelle petite vidéo, petite recette. Donc j'ai pas besoin de vous dire c'est quoi. Hein, vous avez déjà vu déjà sur ma planche. Vous avez vu déjà sur ma planche, qu'est-ce que c'est? Donc j'ai pas à dire. Enfin, j'ai pas à dire. J'ai pas besoin de vous dire, vous allez trouver tout de suite. On va enfin, oui, exactement, enfin faire le gâteau. Depuis 80 milliards d'années que vous attendez. Enfin, vous allez l'avoir. Bon. Donc, toc. Donc, il vous faut cette bestiole là. Il vous faut bébé, papa qui a mangé là. 4 œufs. Il vous faut
un plat en bite du chouette, hein, en céramique, je sais pas quoi là. Il vous faut du beurre. Il vous faut du lait. Il vous faut du rhum. On l'a pas bu, hein, c'est dans le gâteau. Hein. Il vous faut du sugar. Voilà, du sugar. Il faut du sugar. Et il vous faut de la farine. Voilà, j'ai dit beurre. Donc on va copain les pruneaux. Ça, faut le mettre dans une petite boîte. J'allais faire le sens contraire. Ça se met au frigo ou pas? Je sais pas si c'est ouvert le bordel. De quoi? Les pruneaux. J'ai mis dans l'autre. Mais non, mais celle-là, elle est mise là-dedans et on ne peut jamais. Ouais, c'est bon. Je vais en prendre du coup. Ouais, c'est vrai, on n'y prend jamais le petit. C'est la plus petite, mais il y en a des le petit récipient que Laura a offert à Cécile. Les moyennes, il y en a des grandes. Pour la fête des mères. C'est vrai, on n'y pense pas à chaque fois. Dis-nous si on met une fois c'est ouvert, c'est pour le mettre au frigo ou on laisse c'est dehors. On met sur le sachet. Oh, bah, moi, j'ai jeté. Bon, ça, c'est propre, on s'en bat les cacahuètes. Voilà, on va faire les pruneaux parce qu'en fin de compte ils sont avec les noyaux. Donc c'est un peu la galère. Voici il y a des noyautés sans trop abîmer j'ai sorti ma planche MasterChef. C'est pas l'autre, hein, c'est la première que j'avais achetée à Action. Je me demande si je les moule pas, ça serait mieux, non? Après, je peux le laisser comme ça. Sinon, je les coupe, comme ça, c'est un peu. Comme ça, on va faire. Je sais pas si vous voyez, parce que moi, ici, je suis dans le noir. Aïe, mes doigts! C'est collant.
Oh là 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 là, ça y est, ça commence à me saouler, ça va m'énerver. Oui, je crois que t'as juste tout ça à faire. Oui, mais... Oui, mais pas ceux-là. Oui, regarde, regarde, tu peux pas. Oh putain, ça me casse. On a pas de sang. Allez, caballo. Fodesh. Ils sont sérieux? Je ne voudrais pas abîmer trop les pruneaux, c'est pour ça. J'ai foutu dans l'eau, comme ça, ça sera moins sucré, ça sera moins collant. Voilà, déjà, c'est un petit peu mieux. Le fait d'avoir mouillé un peu le pruneau, ça va mieux. Ouais, comme je vous disais, hein, ça faisait un bon petit moment qu'on devait faire le gâteau, mais à chaque fois, on oubliait, quoi. Alors que c'est marqué, hein, c'est marqué sur mon calepin. Tous les gâteaux, recettes à faire, c'est marqué, mais soit on n'avait pas le temps, ou on avait oublié, zappé, hein. Après, comme on dit, hein, plus c'est long, plus c'est bon. Hein. Après, je n'ai pas d'obligation de le faire tout de suite. Hein. C'est pas parce qu'on a dit qu'on allait faire un gâteau bidu chouette à la marche arrière pour qu'on le fasse tout de suite. Non, c'est pas une obligation. Je l'ai peut-être dit, oui, certes, mais j'ai pas dit que je le ferai tout de suite. Nuance. Donc on fait le gâteau selon que si on a envie de faire. Si on n'a pas envie de faire, on ne fait pas. Et un beau jour, oh tiens, on va faire le gâteau, youpi! Hein, y a combien de youtubeurs, youtubeuses hein, qui ont promis des choses et on les attend toujours. Donc c'est pareil. C'est pareil. Bon, ça va faire à peu près depuis l'année dernière, je crois. Depuis l'année dernière qu'on devait faire. Mais pas 3 ans quand même. Même si ça fait 3 ans, il est où le problème? 3 ans, ou 4 ans, ou 1000 ans, ou même en 2030, on s'en fout. Du moment que ça sera fait. On s'en fout la date, le jour, le mois. C'est que c'est ben, ces moments-là, on n'a pas envie de le faire, tout simplement. Et puis sur ma chaîne, je fais ce que je veux. On l'entend assez, les youtubeurs qui disent ça.
On est sur notre chaîne, on fait ce qu'on veut. Ben moi, c'est pareil. Je suis sur ma chaîne, je fais ce que je veux. Si j'ai pas envie de le faire maintenant, je ne fais pas maintenant. Si j'ai envie de le faire dans 1000 ans, ben je l'aurai fait dans 1000 ans. Celui-là, il n'a pas envie, celui-là. Ah, bordel! Mais qu'est-ce qu'il a, lui, ce bat... Ah, mais c'est de la merde, ça! C'est pruneau, là! Laisse tomber! Alors, logiquement, le pruneau, j'aime pas, hein. C'est pas trop ma tasse de thé. Mais la rigueur dans le gâteau, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. C'est. Voilà, je mange. Comme je suis moitié breton. Et chez ma grand-mère en campagne, comme elle faisait beaucoup de recettes bretons, j'en ai mangé, hein, du phare. Hein. Moi je te le dis, j'en ai mangé du phare breton. Oh là là, c'est vraiment de la merde. À ton avis, au début c'était bien, mais d'autres, on dirait que le noyau il est carrément collé sur le truc. Bon, bah voilà, ça y est, c'est maintenant ça c'est fait. Donc en même temps je sais pas si on va déjà tout seul. Mais... Ikea. Peut-être les impurger. Voilà. Je les ai impurgés au rhum. Comme ça, ils vont prendre. Blanco, papa, il fait à manger. Et tu fais sur la table. Hein, qu'est-ce que tu fais sur la table? Allez, descends, bébé. Tu sais, t'aimes bien goûter, regarder ce que papa y fait. Hein? Hein, minou, minou? Allô, minou, 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 minou? Voilà. Ah, c'est bien parce qu'avec Blanco, il descend, il reste pas. Parce que Maouche, lui, il serait déjà allongé sur la table, tout, plein de poils et tout. Et ça commence à me saouler. J'ai nettoyé ma planche de MasterChef dans ma cuisine de merde ou dans ma cuisine de... Et ça part à la fenêtre pour un truc comme ça. C'est ce que j'ai cru comprendre. Ensuite... Thank you.
Ensuite. Ah, mon dos. Ils sont où le grand méchant loup, ta di da di da di da di da da da. Intermarché, c'est la rue Volcon. Donc ça doit faire à peu près ça, je pense. Hop, on va faire réchauffer. Bon, bien sûr, vous avez plusieurs façons de faire le gâteau. Hein. Enfin, là-bas, c'est à peu près pareil, mais... Moi, je mets du beurre, mais dans certaines recettes, ils mettent pas le beurre. Normalement, ça, c'est la vraie recette du phare breton. Ils mettent du beurre. Et sur les autres recettes qu'on a regardées, ils mettent pas de beurre. Il faut du beurre demi-sel. Mais encore, c'est du beurre avec, vous savez, des morceaux de gras, je sais pas quoi là. Donc ça, je vais faire un petit peu fondre. Pas trop longtemps. Ensuite, je prends mon temps pour faire la recette. Hein. Je fais pas ça en 5 minutes. Hein. Si vous faites ça en 5 minutes, c'est votre problème et moi, je prends mon temps. Farine 75. Non, 200. Oh, j'ai pas dit cuir. 250 grammes. De son grand. Ça va être ça. Plus 50. Donc c'est ça, c'est 200, 250. 250. Là, je vais mettre là, 150, je vais mettre en sueur. 150, 250. Je marquerai en dessous la barre d'infos. Oh putain, il fait chaud. Je marquerai les ingrédients. Les ingrédients sont en dessous la barre d'infos. Notamment, vous aurez, si vous voulez, ce n'est pas un ordre. Attention, si vous voulez le faire, comme ça, vous aurez les ingrédients en dessous la barre d'infos. Paquet de feuilles. Ah, mine de rien, regarde, ça diminue, hein. Il était plein de bordel. Il est à côté, hein. C'est du bio. C'est du bio. Ah oui, parce qu'ils avaient plus que celle-là qu'on a. Bah, c'est déjà mieux que rien. Ça, c'est revenu la farine. Ouais. Moi, il en manquait là.
Bon, en fin de compte, tout le monde se plaint, mais apparemment, ça, les produits reviennent petit à petit. Hein. C'est vrai, on est les premiers à gueuler de il n'y a plus ci, il n'y a plus ça. Donc, en fin de compte, voilà, là, la farine, elle est revenue, l'huile, elle est revenue. Bon, d'accord, il faut peut-être en prendre, il y a peut-être en prendre qu'une seule ou deux. Voilà, mais sinon, voilà, les, malgré tout, c'est revenu. Par contre, maintenant, c'est la moutarde. De toute façon, nous, les Français, on est toujours, on n'est jamais content. On n'est jamais content, on est toujours en train de râler pour un oui, pour un non. Pour ça, dans les autres pays, ils disent que la France, on est des râleurs, quoi. Ils n'ont pas tort. Regardez, vous en avez un devant vous, là. 250 grammes, il y a un petit peu plus, mais c'est pas grave, à l'Archabad. À l'Archabad. À l'Archabad, à l'Archabad. Le sucre. Le sucre, j'ai dit. Combien du sucre? Sucre, 175. Est-ce qu'il y a 175? Non, il n'y a pas 175. Il y a 150. Voilà, ça va être entre le 200, entre 150 et 200. Waouh, je suis fort comme un roquefort. J'ai peut-être mis un petit peu plus. Ouais, quoi que. Combien elle a dit? 175. 100. 175. Bah non, j'y suis pas encore. Je ne sais même pas, ça doit encore presque 200. Ce volume, là, il y a un petit peu. Ouais, c'est bon, allez, à l'archambault. En fait, un petit coucou à tous nos abonnés, à tous nos youtubeurs, youtubeuses. Et aux nouveaux, qui sont venus. On commence à monter, je suis content. On monte tout doucement, gentiment, passionnément, abondamment. Voilà, on monte vraiment tout, tout doucement. Voilà, je suis content. Pas besoin d'être à 3000, 4000, 12000, 40000. Voilà, on monte tout doucement, c'est le principal. Il manque qu'on a une bonne communauté. On n'a pas besoin des cons par contre. Pour les foutoirs de merde, on n'en a pas besoin. Nous, on veut que de la bonne qualité de personne. Pas des faux culs. Des gens qui changent de nom pour faire le beau gosse après. Bah, tant que ça reste stable, ça va. Tant qu'il n'y a pas de critique et tout, ça se passera très très bien. Sinon, bah, ça va encore dégager. Ça va être bloqué et dégagé, comme d'habitude. Il fait tellement chaud que même le ventilateur, il a du mal à... Oui, il y a le fond. Il y a le fond là aussi. Ah mais le fond, il faut qu'il soit bien chaud. Bon, farine, c'est bon. Le sucre, c'est bon. Les œufs, c'est bon. Le rhum, c'est bon. Le beurre, c'est bon. Les prouillots, c'est bon.
Bon, mais il n'y a plus qu'à faire l'appareil. Alors, dans un saladier, versez la farine et une pincée de sel. C'est... Il est où ton beurre? Ben, je l'ai fait fondre. Mais c'est pour le moule, là. Ben, non, c'est pour le mettre dedans. Oui, ben, tu peux faire un peu le moule, je crois. Non, non, non. Ça, c'est le sucre. Yalla, yalla! Tu fais pas ton robot? Non, je fais vraiment. Parce que tu m'as dit, je vais faire. Ouais, je pensais, mais bon, j'ai pas envie de salir mon robot. Mon plus beau des robots magiques. Mon robot transformeur. J'ai pas envie de le salir. Puis ça, ça va aller vite. Du shell. Donc une pincée de sel, là. Une pincée de sel, donc une pincée de sel, c'est dans le creux de votre main. Voilà. Ah bah oui, si vous voyez pas. Si vous voyez le mec sans dents et puis à la place de la pâte, ça c'est sûr. Ah ça, je vais pas louper ça. À la personne qui a dit ça, je vais pas la louper, t'inquiète pas. On va voir si elle se fout de la gueule du monde. Ça, pour se moquer des gens, ça, il n'y a pas de problème. Hein. Et le jour ça va lui arriver, t'inquiète pas, c'est moi qui vais rigoler cette fois-ci. En guise de youtubeur, hein, je suis pas le seul qui a un pas dedans, hein, d'accord? Donc avant de l'ouvrir, on ferme sa gueule, quoi. Casser les œufs. Bien mélanger en évitant les remous. Donc on casse les œufs. Donc on fait un petit puits, comme les gamins, pour faire mumuse avec les gamins. Les gamins, ils aiment bien faire ça. Moi, chez ma marraine, quand on faisait des gâteaux, elle me laissait mettre les œufs dedans. Donc bien sûr, pas oublier, pour éviter que votre œuf ne soit pas rouge et pour éviter que de tout jeter, prendre un petit récipient et casser les œufs à part. Voilà, comme ça s'il n'est pas rouge, au moins voilà c'est tranquille. On apprend ça en pâtisserie aussi, pâtisserie, cuisine. Même sur les vidéos d'Archevez, il conseille. Comme ça, tu n'as pas de mauvaise surprise. Mais des fois, ça arrive, tu as deux jaunes. Moi, Je suis tombé plusieurs fois sur des œufs, il y avait deux jaunes dedans. Donc, bien sûr, en évitant les coquilles, bien sûr. Voilà, le dernier œuf. Voilà. Après, si pour salir un truc, vous en foutez, hein, vous le lavez, puis c'est tout. Hein. Mais c'est vraiment pour éviter que de tout jeter. C'est des fois qu'il faut tout jeter, tout recommencer, ça va être galère. J'ai oublié mon fouet, comme d'habitude. Ah, j'ai du mal à préparer mes affaires et tout là. J'ai pris la Marise, parce que la Marise c'est ma meuf. Voilà, ma Marise c'est ma meuf, c'est ma copine. C'est mon aimante. Donc il dit après de remuer, bien mélanger en évitant les gros mots. En numéro 2. Après, en numéro 3, il faut ajouter le lait, le sucre et le rhum. Mais comme le rhum, je l'ai mis dans les pruneaux, donc ça revient au même. Donc nous allons rhum wesh.
une texture de papate. Peut-être pas du point de fouet. J'aurais pas dû prendre de fouet parce que là. Mais c'est quoi ce sou? Pourquoi ça fait ça? Parce que c'est normal, ça passe ça. Putain. J'aurais dû prendre un truc normal. Moi j'en ai jamais fait des trucs. Enfin j'en faisais, mais j'étais petit. J'étais à la campagne, c'était ma grand-mère qui faisait ça. Après moi je m'en rappelle plus. Hein. Ça doit être de loin. Hein. Mais j'en ai pas refait depuis. Après ma mère, je sais plus, je sais même plus si elle avait fait, j'en sais rien, si il me semble qu'elle l'a fait. Je fais du caca doigt. Par contre, j'aurais dû faire la machine. On a une grosse crotte de nez. Birk. Aïe. Mais c'est quoi ce souk? Il est sérieux de nous? C'est normal ça quoi? Oh là 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 là! Mais c'est quoi ce bordel? Mais c'est sérieux là? Je suis sûr que je ne vais pas tromper là, il y a un problème. Hein. Dans un grand saladier, verser la farine, une pincée de sel et casser les œufs, bien mélanger en évitant les grumeaux. Bon, ça, qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi que j'ai déjà fait? Ensuite, rajouter le lait, le sucre et beurrer un peu pour finir la finition. Ouais, bah, par contre, si, c'est ça. C'est peut-être en masse, c'est papa qui fait ça. J'aurais pas dû prendre le fouet comme un con, hein. Moi je pensais qu'avec le fouet ça aurait été. Le lait, 1 litre de lait. Wow, c'est trop ça, 1 litre de lait, non? C'est pas trop 1 litre de lait. Le lait, 1 litre aussi. Par contre, il ne marque pas pour combien de personnes? Ah, 6 personnes. Ah. Ah. Ah, mais pour remettre, c'est la galère. Bon, déjà, on va mettre dessus. Ouh.
On va mettre le lait. Normalement, c'est du lait entier spécial breton. Et ici, en France, il n'y en a pas. Enfin, en France, je me comprends. Dans la ville, là où je vis, il n'y en a pas. Comment veux-tu remuer ça? C'est pour ça qu'ils disent qu'il faut faire attention aux grumeaux. C'est ça qu'on n'a pas l'habitude de faire, ça nous paraît bizarre. Puis ça se trouve, c'est ça. Ben oui, c'est ça, il y a plus que... Après, je finirai au fouet. C'est là, à mon avis, ça va faire du remous, hein. T'es obligé de faire ça, t'as le choix. Il est comme bizarre ça, un litre de lait. Donc je vais finir par le... Ah ! Carré. On va finir au fouet. Mais t'es sûr, c'est comme ça? Ah, tu suis la recette là-bas. Le beurre et tout. Il n'y a pas besoin de le beurre. Il n'en est pas. Non. C'est bizarre qu'il va réussir. On me dit rien. Faites un truc, hein. Je comprends pas, là. C'est la famille passée de sel et passée les œufs dans le mangeur et dans le lait. Ajoutez le lait, le sucre, le rhum, le remuant encore. Ajoutez les pruneaux et vous retrouverez la préparation. T'as vu comment c'est liquide? Ouais, c'est pas normal. T'as mis combien de lait? Bah, ils ont dit un litre de lait! Normalement, ça devrait être épais. Enfin, légèrement épais. Enfin, liquide. Ben, je crois. On verra bien à la cuisson. Mais je trouve un litre de lait, ça fait trop. C'est pour 10 personnes.
250 g de farine, 175 g de sucre, 4 œufs, 20 g de beurre. Déjà, il fallait pas mettre le beurre. Hein. Tu l'as mis le beurre? Ah non, j'ai même pas mis encore. Non, de toute façon, tu mets, ça fait rien ce que tu as fait là. Le beurre, c'est pour le plat, c'est bien ce que je disais. C'est pour beurrer un moule. 125 grammes? Il n'y a pas, ils disent pas de mettre à incorporer le beurre dans le truc. Par contre, ce qui me semble bizarre, c'est que dans les autres, c'est de la levure et là, il n'y en a pas. J'espère qu'ils ont pas oublié la levure, c'est quoi? Regarde bien si dans tout c'est de mettre de la levure. Sinon au pire, bah, je mets un sachet de levure. Mais là je vais être obligé d'en faire en deux fois. Hein. Quoi? Parce que, ça va être trop petit. Tu as non, tu peux pas être non plus. C'est bizarre. C'est on a même des. Ils font même sans. Sans lait et sans sucre. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses que tu veux faire ça. Oh non! Oh non! Déjà? Elle me saoule cette batterie. Là. Non, mais c'est marrant, ils mettent pas de levure. Et les autres, ils mettent pas de levure. Non, pas rien en cours. Allez, portugais! Oh. Hey, il me casse les couilles, lui! Et voilà, putain de canaille! Je l'ai de toute façon la recette. Comment ça me saoule, ça? Non, apparemment les autres c'est pareil. C'est tous pareil. Non, bah, c'est peut-être ça, on ne sent rien. C'est peut-être comme ça. Si on n'a pas l'habitude de le faire, c'est pour ça. Et là-bas, c'est ça, c'est de toute façon, on regardait dans tous les trucs, c'est ça, c'est des œufs, du sucre, de la farine. On verra bien la cuisson. On verra bien la cuisson. Ah! Non, tu vois, il n'y en a aucun où il y a la truc. J'ai le bouquet. Là, petit pinceau. Ça, c'est des vrais pinceaux, ça. J'ai acheté un sion, un sion. Ah, moi, je préfère cela comme pinceau, c'est mieux que sans plastique, là. J'aime pas.
J'ai l'impression qu'il va fondre. Voilà, ça c'est les bons pinceaux, ça. Si tu fais de la peinture. Ça me semble bizarre quand même. Voilà, bon le reste on va le mettre dedans, c'est pas grave, c'est pas perdu de toute façon. On va pas le jeter hein, au sander. Voilà. Oh la connerie que je fais. Sia. Gia. Les autres non plus, il n'y a pas du tout de levure. Il n'y a pas de levure. Je pense que tu es le seul. Non, tu es censé mettre tes premiers au feu. J'ai l'impression que tu as mis trop de lait. Trop de lait. Bah, ils disent 1 litre. Oui, elle, mais il y en a d'autres qui ne disent pas 1 litre. Ah ouais, bah maintenant c'est fait. Hein. Il y en a qui disent 50 centilitres de lait. J'ai un outil qui m'a piqué. Ah, comme ça, les pruneaux, ils ont bien macéré le rhum. Oui, c'est pourquoi? Ah, t'as tiré l'eau chaude. Tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'elle est allumée. Ça. Bah, quand j'ai fait la vaisselle. Non, là, elle vient de s'allumer, regarde. Ouais, okay. Elle fasse pas comme la dernière fois. Ouais, moi, quand c'est tiède, j'ai vu plutôt. Ouais, mais à mon avis. Je peux pas tout mettre. Il reste quoi là? Ça va regarder. Oui. Elle n'a pas plus grand, hein, mais... Mais toi, la pâte doit être un peu épaisse et sans grumeaux. Donc, elle n'est pas du tout épaisse, hein. Beurrez un plat gratin, versez d'abord une couche de pâte sur le, dans le fond, déposez ensuite les pruneaux. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Recouvrez de parsemer de petits morceaux de beurre demi-sec. Recouvrez-les du reste de pâte. Ça a été dû mettre des pruneaux. Tu aurais dû mettre ta pâte au fond, après mettre tes pruneaux et remettre la pâte dessus. Mais je peux pas, c'est du liquide. Ben, c'est comme ça qu'ils disent. Comment veux-tu que je mette de la pâte? Et après, recouvrez les restes de pâte, ouais, parsemer des petits morceaux de beurre demi-sel. On verra bien. Hein. Mais de toute façon, tu as fait la recette. Il n'y a pas de raison que ça marche. Ça passe. Ben oui, moi j'ai tenu compte de la recette. Hein. Mais elle ne doit pas être super épaisse, hein, c'est marqué un petit peu épaisse, c'est tout ce qu'ils disent. Oui, elle est un tout petit peu épaisse, mais... C'est un mélange de feuilles, ils disent que le farboton, c'est un mélange de flan et de clafoutis. C'est moi, je vais en faire quoi de ça, moi? Tu mélanges un petit... c'est des grands. Je cherche
Aïe. Un petit plat. Ouais, mais ça prend un plat sans pruneau. Ben, ça existe, le phare nature aussi. Le vrai, c'est avec des pruneaux, mais c'est naturel. Ah putain. C'est n'importe quoi aujourd'hui. Oui, mais c'est quelque chose, il y a un truc qui me travaille, le sale boulot, c'est pour ça. Ça, je vais en mettre deux. Bizarre. C'est 45 minutes. Ouais, mais 10 au départ au four très très fort et après 35 minutes four moyen. Je veux dire pour baisser le four, mais comme on a plus les chiffres, donc ça va être galère. Oui, on baissera un peu, c'est tout. Et là il est à 240. On va peut-être se baisser là. Non, 10 minutes au four très fort, après baisser le four à 180 degrés et le laisser 35 minutes. Donc tu veux dire, en total, ça fait 45 minutes, en total. D'accord. Vous avez compris, les gens? Bon. Bravo. Carrément mis les pieds dedans. Pas grave, c'est rendre ça. Dis bien, il y a de l'eau. Mais comment veux-tu voir, il est dans le noir. Je t'ai dit, attention, il y a de l'eau. Parce que t'as fait renverser la gamelle des champs. Ça. Bon, là, il y aura deux. Un avec des pruneaux, l'autre nature. J'aurais eu du raisin, j'aurais coupé, j'aurais mis dedans. J'aurais fait un flan au raisin. Mais j'ai complètement oublié d'en prendre hier. Bon allez, on va mettre ça au four. J'espère que le four n'est pas trop haut ni trop bas. Non, banane. Oh, non. Je vais mettre au milieu pour l'instant. Attends. Wow.
comme il chauffe le bordel. Je sens qu'il va y avoir des conneries dans les rues. Bon, pour éviter que ça dégouline. Elle est où la plaque? Du côté, je crois que tu l'avais mise. Ah ben là. Que si jamais voilà oh ouais je suis en mort je mets la plaque en cas où si vraiment ça doit monter au moins ça dégouline dans la plaque et dans le four et après ça crame ça pue bon bah voilà ah oui faut que je mette 10 minutes oh. Je vais mettre 10 minutes, après baisser le four et remettre 35 minutes. Par contre, ça n'est pas beaucoup, hein, 10 minutes. Hein. Tic, 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 tic. Bon, ben voilà. Ah, quand même, 1h02 quand même. Bon, ben voilà. Le petit gâteau phare au pruneau, il est terminé. Donc, je vous dis, hein, moi j'ai pris mon temps, j'ai pas fait ça en 5 minutes. Hein. Il marque 15 minutes pour le faire. Mais moi je mets pas 15 minutes. Moi je prends mon temps. Je prends tout mon temps. Vas-y, vraiment mon bébé d'amour. Qu'est-ce que t'attends? C'est bien là, t'es au frais. Ah, j'ai le manche de mon aspirateur, il s'est cassé. Je suis dégoûté. Je l'ai rapistolé avec du scotch. Comme je ramène du scotch du travail, voilà, déjà ça fait des économies aussi. Donc j'ai mis, je lui ai foutu du scotch, mais là ça va, ça tient. Ah, ici tout est scotché ici. Moi, tant qu'il n'est pas cassé entièrement. Pourtant, il est pas tombé le bordel, mais c'est à la force de peut-être de le tenir comme ça. Et puis faire comme ça, après, j'en sais rien. Et il s'est cassé juste au niveau du poignet. Bon, tant qu'il fonctionne, c'est principal. Oh, un bison! Oh, mon copain! Oui, je suis là. T'es, il a eu peur. Il a eu peur, le pigeon. Il s'est cassé. Là, ils ont même, avec les grillages, ils arrivent à venir ici, jusqu'ici. C'est dingue. Intermarché. Qu'est-ce que tu fais? C'est la révolution. Ikea. Oh, ça fait pas mal, regarde. Ikea. Intermarché. Le gogol du service. Le gogo qui a pas de dents, il fait le con. Ah, du coup, il n'y a plus personne devant. Mais il y en a un qui s'est allongé là. Sur le banc là-bas. Ça va, c'est la fête lui. Et il peut pas s'allonger chez lui. Mais sérieux, si toi tu veux t'asseoir, tu ne peux même pas. Enfin, tu verras, les gens pensent ce qu'ils veulent, mais bon. Ils sont bizarres, oui.
Ah là là là. On est les premiers à engueuler les gamins pour qu'ils se tiennent correctement, mais les adultes sont pas mieux, ils sont encore pires que les gamins. Franchement. L'autre est tranquille, carrément allongé sur le banc. Je sais pas, va au parc si tu veux t'allonger. Quand t'imagines que tous les bancs ils sont pris, et le mec qui est carrément allongé, tu peux même pas t'asseoir. Oh, bizarroïde la France, bizarroïde. Bon, bah voilà, donc on vous fera un petit. Quand ça sera cuit, j'espère qu'il ne va pas rester liquide. Quand ça sera cuit, on fera une petite vidéo. On fera une photo, on mettra comme d'habitude dans la communauté. Et après, une fois que lui sera cuit, bah, je mettrai lui là, le bébé. Ah, c'est dommage, j'ai pas de raisin, merde. Ça, j'aurais foutu de raisin dedans. Oui, je suis gogol. Allô, tu m'entends? Allô? Gertrude? Pécatine? Non, elle n'a pas envie de me répondre. Bécassine, elle n'a pas envie de me répondre aujourd'hui. Elle est feignasse. Allez, ouais, je crois qu'il y a tout rien à faire. J'ai tout rangé. Je vais faire le reste en la vaisselle. Hein. Et puis après, voilà. C'est que ça à faire. Hein. Ça y est, c'est cuit! Non, j'adore. Ça serait vidéo gag, le truc est cuit direct. Il est cuit tout de suite. Ouais. Ah, j'espère que tu vas pas rester liquide. Tu vois, ça sera la faute de la recette, hein. C'est pas moi. Hein. Moi, j'ai bien appliqué la recette. Hein. Oh, mais c'est mis en charge. Mais c'est mis en charge. Je me rappelle plus, j'avais acheté ce short-là. Celui-là. Je me rappelle plus, ils étaient. Il était planqué dans mes pyjamas. J'ai pas. C'est en enlevant tous mes pyjamas que je l'ai retrouvé. Je dis chouette. Franchement, je m'en reprenne deux, trois autres comme ça, des méchants. Peut-être pas comme ça, mais voilà, d'une autre façon. Au moins, voilà, quand il fait chaud comme ça, voilà, en plus, ça coûte pas trop cher. Celui-là, j'avais payé un peu cher celui-là. C'est de la marque. Finalement, j'ai dû payer quoi 20-25 euros, un truc comme ça. Donc, je l'ai pris parce que voilà, il m'a plu. Mais sinon, voilà, j'aurais jamais mis 25 euros dans un truc. Et puis voilà. Alors, j'avais mis un Marcel noir, mais laisse tomber, j'ai transpiré. Bon, on va en rester là. Qu'est-ce que je vais vous faire comme vidéo encore? C'est marrant, je suis plus pâle, on dirait. Je suis pâle. Bizarre, l'image. On dirait que je suis un fantôme. C'est rien, hein. Là, je suis un fantôme. Un fantôme sans dents. Ah,
toute façon, hein, les bébés, quand ils naissent, hein, ils n'ont pas de dents. Hein. Bah, nous, les vieux, quand on meurt, bah, on n'a plus de dents. Voilà, c'est pareil. Moi, tant que ça me dérange pas, pour manger, boire, parler, c'est principal. Après, s'il y en a qui veut me payer un dentier, hein, allez-y, hein, je vous attends. Il n'y a pas de souci, hein. Je dis pas non. Ça va ? Quoi ? Bah oui, je prends l'air sur mes aisselles. De quoi ? Ça y est, je les ai aiguisés. Bah allez, on fait des gros bisous, puis on remettra la photo, enfin si c'est plus, la photo dans la communauté. Allez, gros bisous à vous tous, et à une prochaine petite vidéo. Salut, à Bézenzen.